Allez, ça tout le monde, c'est Azurexpiration. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 146, les amis, de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild à mode normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je viens de la douloureuse, du douloureux épisode d'Arceus, tout simplement d'épisode 143 que vous verrez cette semaine. C'était très douloureux. Voilà, je vous le dis, c'était très douloureux, les poèmes m'ont séché, honnêtement, pour un épisode aussi pitoyable, mais pitoyable que ça pourrait paraître. Mais bon, écoutez, les amis, c'est pas grave, en tout cas, aujourd'hui, on va continuer notre aventure à l'ouest de Nekluda. Donc, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait découvert deux noix Korogu, hein, je crois qu'on avait réussi à avoir deux noix Korogu. Aujourd'hui, on va quand même continuer d'explorer un petit peu tout ce, ces endroits un peu farfelus avec des possibles du coup coffres et tout ça. Donc voilà. Alors je sais même plus où on en était. Alors tellement que c'est vrai qu'on se souvient qu'il fallait du coup monter tout ça et explorer du coup cette grosse partie du lac de Magir, hein, ou de Magayer, je sais pas comment vous voulez les appeler. Mais c'est vrai que il pleuvait, il me semble, là, quand on voulait s'y attaquer. Là, il pleut plus, donc logiquement, on devrait s'y attaquer sans non plus trop de soucis. Donc vous savez quoi, on va directement monter là-haut. De toute façon, on peut pas monter en bas. Oui, bon, je pense que ça, tout le monde... Ah bah super, je voulais le faire étape par étape, mais il a pas voulu. Ok. Je vais les faire un... Non. Non! Oh, come on, Clive. Voilà pourquoi il nous faut plus d'endurance. Je vous l'ai dit que c'était plus d'endurance qu'il fallait. Oh, le mec totalement abusé. Non, mais vraiment, ça me pète les couilles. Là. Bon, par contre, du coup, on va tenter de remonter tout ça. Putain, on en a pour 1 milliard d'années. En espérant qu'il ne pleuve pas. Tout simplement. Là, il faut pas qu'il pleuve. Hein. Je vous le dis, il faut pas qu'il pleuve. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, les amis, je vais très bien. À part un petit peu de fatigue là. L'épisode d'Arceus de l'épisode 143 m'a séché, tout simplement. Donc, pour vous dire, hein, ça m'a. Honnêtement, mais je suis séché dans le sens saoulé, quoi. Vous voyez, je suis saoulé. Je pensais pas que, honnêtement, je pouvais y arriver à être saoulé, mais là, je suis saoulé. Donc, du coup, voilà. Voilà, c'était honnêtement un épisode un peu douloureux, mais bon, écoutez, il en fallait de temps en temps. Alors du coup, on va tenter d'explorer du coup toute cette nouvelle zone, hein, qui s'offre à nous. Oh non! Bon, c'est pas grave. Toute cette nouvelle zone qui s'offre à nous, tout simplement. Quoi? Ah, je pensais que ça brillait là-bas, mais putain. Alors... il y a tout ce côté. Bon Dieu, il y a tellement de choses à explorer. Ok. Ok. Bon bah, on va pouvoir réussir à remonter tout là-haut, à mon avis, une noix Korogu quand même tout là-haut. Allez, quand même. Soyez sympa, non? Soyez sympa. Oh putain, Litorok? C'est un Litorok? Ah non, c'est pas un Litorok. On meurt pas. Ah, c'est de la boue de merde. D'accord, je viens de comprendre. C'est de la boue de merde. Par contre, je suis désolé pour toi, mais ouais, tu jarcles quoi. Ouais, je t'aime bien, mais bon, voilà quoi. Bon, par contre, du coup, cela veut dire qu'il nous faut atterrir par en haut ou péter un arbre, ou je sais pas comment. Mais comment on peut faire? Ah oui, c'est vrai que normalement, il y a des fois des planches métalliques. Mais il n'y a pas de planches métalliques. Hein, oh oh. Il n'y a aucune planche métallique. Bah, vous savez quoi? Comment dire dans le milieu? Inch'Allah. On va sauter de là-haut et en avant Guingamp. Et normalement, une noix Korogu. Oui. Non, Ninsai, tu m'as trouvé une noix Korogu. C'est la petite noix que vous a donné un Korogu. C'est un peu fin, mille départ, qu'un travail beaucoup, pas très bonheur à la réveiller, à la réveilleur. Ok, donc il n'y a pas de coffre hein, autour. Non, il n'y a pas de chest. Alors, du coup, maintenant, c'est de repartir qui va être un peu délicat. Je pense qu'on peut repartir par là. Oui, bon, c'était juste, hein. C'était très très juste, mais on a réussi. On va quand même monter là-haut. Ah, putain. Mais ce connard de Link qui ne saute pas quoi. Non mais j'ai juré quoi. Alors je suis... Ah j'allais dire je suis... Vraiment je suis bigleux quoi. Il y avait de la planche en fer mais pas du tout. C'est le bout d'arbre mais qui formait comme une planche en fer. Alors du coup. Des bananes lames. Alors je vois l'intérêt de cette zone. C'est juste pour les bananes mais est-ce qu'il y a autre chose? C'est ce que je me pose comme question. Est-ce qu'il y a autre chose? Je n'ai pas l'impression.
Et le contour là? Non, je pense que c'est juste une zone pour dire hey, j'existe, je suis là. Mais en fait, finalement, il n'y a rien de. Ah, attendez, si, peut-être. Peut-être des choses ici, non? Sinon, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un truc ici? Pas du tout. Bon, écoutez. Alors là-bas, il y a un camp. Donc, à mon avis, lui, on l'a jamais fait, hein, vu les hauteurs que c'est. Donc, j'espère que ça va pas être un camp chiant. C'est tout ce que je désire, hein, que ça soit pas un camp chiant. Mais bon, ça va être un camp quand même. Alors, à mon avis, il va y avoir une blindée d'ennemis. Je m'attends à des ennemis. Voilà, déjà, ça commence avec, j'ai l'impression, des moblins noirs, carrément. Enfin, des bocoblins noirs. Il y a un bocoblin noir, je crois. Ouais, il y a un bocoblin bleu. Et il y a un chest déjà, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais relève-toi. Link! Allô? Des fois il veut pas se relever, il est comme bloqué. Alors du coup, on va quand même tenter d'y aller par dessous. Parce que le but est quand même de les tuer à one shot par derrière, ce serait le top. En espérant qu'on se foire pas, on va quand même se cacher derrière les trucs. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? S'il se retourne, c'est la fin pour lui. Hein. Je vous le dis, s'il se retourne, c'est la fin pour lui. Parce que même si le gars rouge il me capte, je le détruis direct, hein, je vous le dis. Tu te retournes pas. Alors peut-être il aurait fallu se cacher ailleurs. Alors j'étais con. Bah alors là mon gars, mais t'as été débile! Mais t'as été débile! On l'a buté en one shot. Ah et là il a été con. Il a été con. Par contre, on a des armes en cas de besoin. On a des armes en cas de besoin. Faut juste faire attention au bocoblin rouge qui est en haut là normalement. Qui surveille un peu les environs. Donc si j'arrive à le buter, ça serait déjà bien. C'est quoi? Je vais tenter de le buter directement. Me décaler suffisamment. Pas trop non plus, mais non, tu me repères pas, j'ai dit. Voilà, comme ça il m'a pas repéré. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper du reste tranquillement. Alors j'espère juste que ils sont positionnés correctement pour les avoir directement. Alors déjà, ça me fait chier parce que lui, il est en train de me regarder alors que je ne veux pas. Allez, retourne-toi. Si tu te retournes, mon gars, t'es fichu. Si tu te retournes, t'es mort. Je te le dis. Allez. Oh non, 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 c'est pas juste là ce qui est en train de se passer. N'avance pas plus, hein. Parfait. Allez, 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 ne te retourne pas, ne te retourne pas, s'il te plaît. Mais je le trouve géant comparé à d'habitude, non? T'es mort là, non? Ok. En tout cas, on t'a bien blessé. Par contre, je suis un peu suicidaire, non? J'ai pas de vie, quoi. Voilà. Comme ça, t'es désarmé. Et voilà! Comme quoi, les amis, vous voyez, on gère le jeu. Je pensais jamais dire ça pour un Zelda, pour le Zelda Breath of the Wild, mais on gère le jeu. Alors, il me semble qu'il y avait un bocoblin bleu en hauteur, mais je le vois plus. Ah ben non, en fait il y est plus. D'accord, bon ben pourquoi pas. Alors, par contre, ne détruis pas le coffre. Oh, le bâtard! Oh l'enculé! Ça se fait pas ça. Vas-y. Ouh, c'est un enculé ce chouchou électrique. Alors par contre, je crois que je l'ai jamais pris en photo. Donc vous savez quoi, on va le prendre en photo. Hein. Est-ce que j'ai déjà pris en photo lui? Mais je pense pas. Hein. Bah parfait, coucou toi. Il est tout beau. Merci chouchou électrique, l'entrée est écrite dans l'encyclopédie. Attention, attention. Ouais, parce que ça peut faire mal hein, s'il explose énormément. Je l'ai chouchou jaune, merci. Allez du coup on va pouvoir récupérer toutes nos récompenses. Enfin notre récompense. Cette flèche en bois, ces flèches d'utilisation courante sont fabriquées à partir d'un bois solide. Et notre coffre, on a juste à le faire venir jusqu'ici. Voilà. Et normalement, on va pouvoir voir notre. Ouh, hache de maître! Cette hache à double tête, purement conçue pour le combat, est si lourde qu'elle nécessite une technique rodée pour la maîtriser, ce qui explique son nom. Alors, du coup, hein, si, on va la prendre. Alors, je suis désolé pour toi, mais tu vas partir. Et non.
et on va s'équiper de notre hache de maître. Alors, elle est pas en fer, j'espère, si elle est en fer, donc ça veut dire que ça pue du cul, vu qu'il y a de la foudre qui va tomber derrière, donc on va utiliser notre petite feuille, on va garder notre petite... Ah oui, il pleut. Mais attention, il n'y a rien, je pense. Ah bah par contre, on fait comment? Oh putain, on fait comment s'il pleut pour monter là-haut? Alors là, qu'on m'explique. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut plus monter, quoi. Ouais, ça veut dire qu'on peut plus monter, quoi. Oh, mais vous êtes fous, quoi. La foudre qui me tombe à côté. Alors honnêtement, je pourrais peut-être passer la nuit. Dans le sens, dormir et passer la nuit, ça peut être une bonne idée, mais... Alors il faudrait tout simplement juste s'abriter sous un arbre. Attention, oh, ça tombe de partout, hein. Dangereux le truc à la con. Ouais, vous savez quoi, on va tenter 9h du matin, mais après il y a encore de la pluie. Vous savez quoi, on va tenter ça. Alors je sais plus ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut prendre un fagot de bois et un silex et frapper avec une âme en fer, il me semble. Donc prendre et un fagot de bois. Il est où notre fagot de bois? Oh, on n'a plus beaucoup de fagots de bois. Voilà. Et logiquement, je crois qu'il faut prendre une arme en fer. Et voilà. Et on va pouvoir attendre. Et on va attendre jusqu'au matin. Vous savez quoi? Ouais, parce que là, la pluie, c'est chiant dans ce jeu. Hein. J'ai pas à dire, mais la pluie, c'est chiant. Voilà. Bon, par contre, il repleut derrière. Super. Donc, on va vite se dépêcher, aller en haut. Aux endroits les plus propices. Super, on va se faire baiser la gueule. Ouais, ça va être compliqué cette histoire. Oh mais non, mais il ne tombe pas, putain. Allez. Ok. Une. Deux. Ah, il pleut. Il pleut, donc ça veut dire que ça va me faire glisser, c'est ça? Et ça va être bâtard, ça, non? C'est bon, j'ai réussi à aller là. Ouais, parce que du coup... Oh, il y a tellement de choses, les amis, mais vous pouvez pas savoir. C'est honnêtement trop abusé, je trouve que c'est trop abusé. Il y a trop de choses à faire, là, dans le jeu. Il y a tellement tout à explorer. Vous voyez, des petites passerelles comme ça, ça peut cacher une Okorogu, hein. Donc, à mon avis, il y en a peut-être une tout là-haut, justement. Ouais. Allez, go! Ah, super. Je vais me faire baiser, là, t'es sérieux? Eh ben non, je vais pas me faire baiser. Oh! Alors, s'il n'y a pas une Okorogu ici, je comprends pas. Hein. Genre, c'est un endroit très accueillant pour une Okorogu, quoi. Ou un stone talus, ça dépend, mais je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ah ben, voilà! Hey, regardez ça. Regardez ça. Ça c'est pour accueillir un durian. Merde. Un durian normalement. Donc on va... Merde. Ouvrir notre inventaire. Mettre un petit durian. Il est où notre durian? Notre durian il est là. On va le prendre, on va le poser et on va le mettre là. Et voilà. Parfait. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé une Okorogu, ça peut être que vous avez donné un Okorogu, sans pas faire un pas quand tu fais beaucoup par très bonheur à la réveilleur, à la réveilleur. Donc du coup ça avance. Ça avance tes petites Okorogu, ça en fait deux supplémentaires aujourd'hui. Rendez-vous compte, hein, deux supplémentaires. Mais qu'est-ce que tu fais Link? T'as craqué non? Bah ça nous en fait deux supplémentaires, je suis très content. Alors du coup, est-ce qu'on a fini d'explorer? Ouais, on a fini d'explorer ça. Il y a ce côté aussi qu'il faudrait explorer, mais ça c'est un contrebas, donc c'est con, mais on peut s'en foutre pour le moment, sachant que du coup on va pouvoir y retourner quand on sera à la bonne hauteur, parce qu'en fait ça c'est ici quoi, c'est sur cette route là, donc c'est pas très grave. Nous maintenant il faudrait qu'on arrive à aller de l'autre côté, donc il faudrait qu'on arrive à aller finalement là, donc en fait je suis débile parce que... Ah bah super, je voulais pas faire ça, mais tant pis, tant pis, il y a pas le choix. Voilà, on va retourner là, ça sera peut-être un peu mieux. On va aller de l'autre côté cette fois-ci, hein, vers le lac Magir. Oh putain, d'accord, il est à... Pourtant il pleut pas. Pourtant il pleut pas. Oh what the fuck, j'ai frôlé la mort là. Pourtant il pleut pas. Pourquoi il est là? Il est censé arriver que quand il pleut, non? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi. Et surtout pas en pleine journée. C'est ça qui me semble bizarre.
pas du tout en pleine journée, quoi. Alors, du coup, là, ouais, on se rapproche dangereusement de l'endroit où il faut visiter, sachant que je crois qu'on a été tout là-haut. Il me semble qu'on a été tout là-haut, hein. Merci. Il y a tellement de choses à visiter. C'est vraiment un jeu basé de ouf sur l'exploration, en fait. C'est ça que les gens, du coup, ont kiffé, à mon avis, pour ce jeu. Enfin, pour ce jeu. C'est vraiment un jeu basé sur l'exploration. C'est un truc de dingue. Ouais, parce que du coup, là... Maintenant, c'est tout nouveau à partir d'ici. Donc, après, c'est vrai qu'à ce côté-là... Mais le but, ça serait bien de réussir à monter tout là-haut, alors. Monter tout là-haut, ça va être... pas une mince affaire, mais... Ah, quand on trouve des stratégies, on y arrive. Non, je veux pas t'attaquer. Pourquoi tu m'attaques, toi? C'est moi qui habite avec vous. Ouais. Hop, fer lame, champi d'Hyrule, banane lame. Ah! C'est un autre camp? Ah, un camp de les Alphos, en fait. Enfin, il y a quand même les Alphos, hein, on va se calmer, mais... Par contre, je pense que si on le bute, voilà, ça fait très mal. À votre avis, je l'ai déjà pris en photo de lui? Non, oui. Par contre, je t'aime pas du tout, toi. Oh là! Ok, ok, on va se calmer, hein. On va vite se calmer, mes amis, parce que là, on va pas y arriver, sinon. Ok. Sorry. Par contre, on va garder notre... nos épées. C'est ça. Vas-y. T'es sûr de toi? T'es mort. Je suis désolé, mais t'es mort. Voilà. T'as pas compris? Si? Encore? T'avais un peu plus? Merci. Ben voilà. Oh, plein de choses. Ah, le petit coffre, les amis. Ça, c'est bien, vous voyez? Ça, c'est bueno. C'est la belle récompense après avoir frotté les alphas et des gelés chouchous. Et du coup, nous avons 5 flèches explosives. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose dans l'impact, elle inflige de gros dégâts aux alentours. Bon. Maintenant, on va pouvoir visiter ailleurs. Hein. On va continuer, sachant qu'on se rapproche dangereusement du lac Magagir. Mais qu'on fera, à mon avis, dans l'épisode prochain, parce que je remarque qu'on est à la fin de la vidéo, là. Par contre, je t'ai vu, toi, hein. Vas-y, viens. Je t'ai vu, toi. Eh oui, c'est triste, hein. Ah, t'es mort. Je suis désolé pour toi, mais t'es mort. Ok, sachant que, du coup... Oh, what the fuck. Il y avait un nouveau truc, ici. Je sais pas. C'est quoi? Pourquoi il y a une statue, encore? C'est pas une statue d'offrande, ni rien, hein. Ah si, d'accord, cette fois-ci, c'est encore une statue d'offrande. Donc du coup, bah, les amis, on va... Alors, vu qu'il y a des bananes à côté, il faudrait pas lui donner des bananes. Bon, on va quand même lui donner le durian, et puis après, sinon, on lui donnera une banane. Ouais, je m'en doutais que c'était des bananes, hein. Je m'en doutais, hein. Genre, il y a des bananes à côté, prendre, et normalement, c'est bon. Et ben voilà, je m'en doutais. Comme quoi, faut se fier à son premier instant. Instinct. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé. Non, encore au goût. C'est un petit noir que vous a donné encore au goût. Sans un peu fort, mille pas qu'un trouvé beaucoup, pas très bonheur. À la réveilleur. 3 noix encore au goût, les amis, en tout cas aujourd'hui. Ça aurait été un bon épisode. Honnêtement, ça aurait été un épisode de la gérance. Honnêtement, ça fait plaisir d'avoir un épisode de ce type. Ça fait plaisir, tout simplement. Alors, on a ce côté. Là. Non, c'est. Ouais, on va aller peut-être ce côté-là en premier. Comme ça, on descendra au fil du temps et tout. Ah, il pleut! Non, pas de la pluie! Pas de la pluie! Vite! Merci, putain, c'était chaud. Hein. Ah, d'accord! Il y a un camp de beaucoup. J'ai même pas vu. Bon, ben. Par contre, j'étais un peu con, non? Tu veux vraiment être sûr de ça, toi? Eh, vas-y. Hein. Ok. T'as décidé de faire le beau, là? Vas-y. Eh, c'est pas gentil ce que tu fais là. Mais doucement. Hop. Eh, d'où par le mur, mais t'es fou toi. Par contre là stop. Déjà on va le désarmer pour comprendre, pour commencer. J'ai dit quoi, on va désarmer, j'ai dit putain.
putain, va te faire foutre, merci. Oh, vas-y, tu peux appeler tes copains, je m'en bats les couilles. Toi, par contre, tu meurs, je te l'ai dit. Hey. Oh, oui, bien, bien essayé, mon gars. Merci. Qu'est-ce que t'as pas compris encore? T'as pas compris quoi encore? Ok. Putain, on est des bestes à ce jeu maintenant. Dites-vous que ça, j'en serais été incapable. Mais incapable, il y a 30 ou même 20 des vidéos de cela. Putain, ça fait plaisir. C'est qui m'agresse là? Vous avez craqué, vous voulez rester tranquille, hein? Ah, mais parce qu'il y a juste un beau goblin rouge, d'accord, j'ai compris. T'es pitoyable, toi, mon gars, bah oui. J'avais pas vu le truc en hauteur. Oh, ça fait tellement plaisir se sentir puissant dans ce jeu. On en a tellement souffert que maintenant, quand on se sent un peu plus puissant, que on se sent bien. Hein. C'est con, hein, mais on se sent bien. Par contre, à mon avis, c'est une noix Korogu à gauche. Hein. Étrange que un KU soit posé pile là. Alors du coup... Ok, il n'y a rien. Mais ici, il y a un petit coffre qui contient... Espada de soldat, grande, lourde et difficile à manier, cette épée à deux mains, remarquable résistante, a été améliorée spécialement pour le combat. Ok, donc un bon espadon. Vous savez quoi, on va peut-être jeter... on va jeter quoi? On a la baguette de feu, on a l'épée des flammes, la baguette de fulguration et l'épée électrique. C'est con, mais en fait je voudrais pas jeter d'épée. Donc tu sais quoi, on va juste prendre ça. Ah. En fait, attendez. Ah si, ça va, l'épée est bien. Mais l'âge de maître, elle est très redoutable, très robuste. Bon, vous savez quoi, c'est même mieux cette arme-là. Donc on va la garder. En revanche, ça on me fera pas croire que c'est pas une noix Korogu. Voilà, parfait. Et on va du coup pouvoir s'arrêter là. Donc dites fait, tu m'as trouvé une noix Korogu. Cette petite noix vous a donné un Korogu, c'est un peu farmi. Il n'est pas encore trouvé beaucoup pour très bonheur. À la revoyure. Yes! Donc les amis, on pourra... Oh, c'est des coffres ça. Voilà. Ouh, il y a trois coffres, mais trois magnifiques coffres les uns à côté des autres, hein, qu'on pourra aller récupérer prochainement. Il y aura peut-être une noix Korogu à mon avis aux alentours de ce lac, ou en tout cas pas très loin. Donc voilà, mais en tout cas je suis très heureux. Honnêtement, on a bien avancé. Je trouve qu'honnêtement cet épisode aurait été sympathique. Alors c'est vrai qu'on a pas exploré là-bas, mais il faudrait qu'on explore. Mais honnêtement, ça aurait été un épisode très sympathique. J'aurais kiffé. En fait, c'est un épisode qu'on n'aura pas souffert. Au contraire, c'est les ennemis qui ont souffert. On a été bien dans la stratégie. On a fait les choses de façon très sympathique. C'est vrai que, par contre, ici, il y a un autre camp, je vais y arriver. Mais on ira tout simplement les affronter, tout ça, dans l'épisode prochain. On va directement, vous savez quoi, instantanément, y aller, carrément maintenant. Mais genre, on se met là. Ouais, on se met là. Et comme ça, on se met là, on ne bouge pas. Mais tu fais quoi, là? Mais tu fais quoi, toi, là, ici? Mais t'as craqué, toi? Mais t'as craqué toi non? Voilà, on se met là. Comme ça au moins on est tranquille. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer à ce camp là dans l'épisode prochain. Donc on essayera de gérer ça en tout cas pour l'épisode 147. Alors c'est un mini... T'es con hein. T'es con Link d'avoir... Mais non mais arrête de souffler. On va sauvegarder. Donc du coup oui, on se retrouvera du coup dans l'épisode prochain dans lequel on ira faire ce camp là, sachant qu'ils arrivent. En fait je crois que c'était une grosse connerie de faire ce que je viens de faire. Vous venez pas hein. Alors par contre il y a deux moblines noires et tout. Je sens que ça va être très compliqué hein, je vous le dis. Deux beaux goblins noirs ça me fait un petit peu peur, mais il n'y a pas le choix, il faudra s'y attaquer, sachant qu'à mon avis, ça garde peut-être une noix Korogu, parce qu'à mon avis, ici, c'est très étrange comme environnement, donc il y aura certainement une noix Korogu, sachant qu'il faudra également explorer ce côté-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, les amis, on aura du coup récupéré 3 ou 4 noix Korogu aujourd'hui. Non, c'est... je suis con, hein. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.